His Excellency President Thabo Mbeki, His Excellency Professor Nuria Bingabrit Remaun, His Excellency Professor Marie Teunyan, the President of CODESRIA, the Executive Secretary of CODESRIA, former Presidents of CODESRIA, former Presidents and members of the Executive and Scientific Committees, former Executive Secretaries of CODESRIA. Good morning and welcome to the 15th General Assembly of CODESRIA. We are privileged to welcome all of you as academics first, and also as policymakers, for some of you who are involved in policy, to this largest assembly of African social scientists and humanities scholars on our planet. For me, it's a personal privilege to welcome you to the General Assembly. Maybe there are three things that happen only once in everyone's life. You get born, you die, and you act as the MC of the opening ceremony of the CODESRIA General Assembly. Thank you very much. Without wasting too much of your time, I would like to welcome the Executive Secretary of CODESRIA to say his words of welcome. Godwin Moronga. Good morning, everyone. Bonjour. Nangadef. Habari asubuhi. I've run short of more greetings, so I'll stop there. Your Excellency, the Honorable Thabo Mbeki, President of the Republic of South Africa, former President of the Republic of South Africa, Your Excellency, Honorable Professor Marie Teunyan, Minister of Higher Education, Research and Innovation, Republic of Senegal, Your Excellency, Honorable Professor Nuria Bingabrit Remaun, Minister of National Education of the Republic of Algeria, the Honorable Member of Parliament for South Africa, Toko Didiza, ambassadors here present, rectors and vice chancellors from various universities across the continent present today, partners of CODESRIA, including funding partners and partners we work with around our intellectual agenda, the current president of CODESRIA, Professor George Shikata, former presidents of CODESRIA, former executive secretaries of CODESRIA, including my predecessor, Dr. Ebrima Sall, distinguished participants, ladies and gentlemen, it is my singular honor to welcome you to the 15th General Assembly of CODESRIA. It is with great humility and enormous joy that I stand here to welcome you not just to the 15th General Assembly of CODESRIA, but to this great country, Senegal, and also this great city, Dakar, which has been the home of CODESRIA for 45 years. Our joy as the Secretariat of CODESRIA is even more because you just did not take time out of your busy schedules to join us, but you did that very close to the festive season, and we don't want to take that for granted. We thank you very much for joining us and honoring us with your presence. The CODESRIA General Assembly
has indeed become a historic event. A historic event in its own right. And I have many former presidents of CODESRIA, and I have many former executive secretaries of CODESRIA, and I have many executive committee members of CODESRIA to testify to the historic nature of this gathering. Indeed, it has become important as a singular event in the triennial calendar of the Council, constituting itself into a scientific occasion worth the attention of every serious academic in the humanities and social sciences in particular, but also for academics in general. It has also become a singular event of importance because at this General Assembly, we do often also mobilize the policy community to listen to just but a sample of the best of African scholarship. At this General Assembly, we are convening slightly over 300 social science and humanities scholars, covering at least 35 countries. Of these countries, at least 25 are African countries. We are convening scholars of various linguistic, regional, gendered, and generational diversities, and that is very important to us. In fact, a significant number of academics who are making presentations at this General Assembly have not been to the General Assembly before. And this speaks to the process by which we did the competitive selection of academics to be here today. This is important to us because it speaks to the capacity of the Council to open itself to new people and new thinking. But also, it speaks to the basis around which the Council seeks to reproduce the African social science and humanities community. People who not only share the mandate of the Council, but also understand that that mandate calls for a commitment. In other words, it's not just scholarship for its own sake. Also, it's people who accept the Pan-African logic around which the mandate of the Council has been weaved. This General Assembly is taking place against a background of momentous changes in Africa and in the rest of the world. These changes have broadly been defined both by the idea and the reality of globalization. Globalization as a time and space compressing reality, but also as a phenomenon that has brought to the fore new cultural identity and technological changes. We do know that globalization has a long history and has taken numerous forms as it has advanced. In its more contemporary manifestation, globalization came as a promise for a more open and free world, a world where goods, services, ideas moved freely. But in its reality, this promise has also carried major tensions and uncertainties. The tension that under the weight of globalization, marginalization of people and communities has intensified. Levels of poverty have increased. Underemployment and unemployment, especially of the youth and women, has grown. And that rather than opening up the world, we now live in a world where narrow nationalisms, especially in Europe and in the US, has colored our politics.
In the process, rolling back previous gains around civil liberties, undermining freedoms in particular places in the name of religion, and growing various forms of protectionisms that go against the very promise of globalization. And for those of us in Africa, the challenge of globalization are real and immediate, and the promise is largely a dream to a large plurality of Africans. It is for this reason that the Executive Committee of CODESRIA took the decision to focus on the theme Africa and the Crisis of Globalization. A deliberate choice after long debates in which we wanted to enable participants in this General Assembly to examine a lot more closely Africa's prospects with globalization. Now, since the 14th General Assembly, the Council has unfortunately lost a number of key members of the community. We have had the occasion to remember some of them in tributes published especially in CODESRIA Bulletin. We also have had occasion to remember many others whose mark on the African intellectual scene have been both remarkable because of their vigor, erudition, and commitment. At this General Assembly, we'll be discussing the ideas of some of them, selected mainly because they served more recently in the governance instruments of CODESRIA and passed on in the years 2017-2018. I want to mention but a few: the late Professor Aminata Giao Sise, who was a senior program officer in the Council; the late Professor Abdurraufu Mustafa, who served on various governance instruments of the Council; and of course, Professor Samir Amin, who passed on several months ago. Our interest is to honor all of them, but time and space will not permit us to have singular focus on each. So while we honor all our departed colleagues, this assembly will take particular note of Professor Samir Amin, primarily because he was a central cog around which CODESRIA pivoted for a very long time. He was the first executive secretary of CODESRIA, a titan whose intellectual contribution was enormous, but also someone whose humanity was notable and whose scholarship was not just rigorous, consistent, but perhaps for all of us, radical and committed. The coincidence between the choice of the theme for the General Assembly and the focus on Samir Amin is interesting, because I cannot think of a topic that the late Professor Samir Amin paid attention to more than the challenge of globalization. This assembly is organized around 14 plenary sessions and 32 parallel sessions. We have the immense honor and pleasure to host four keynote addresses, including an intervention by His Excellency, former President of South Africa, Thabo Mbeki, and I'm choosing my words carefully after having had discussions with him, and he wondered whether he was going to give a lecture or simply an intervention. And I thought, an intervention can also be a lecture. So we are going to have an intervention by His Excellency. We are also going to have a lecture by Nobel laureate Wole Soyinka. We will have a lecture by Professor Osman Khan and the award-winning author Yvonne Adhiambo Owor. We want to thank them for agreeing to be with us at this particular moment. And we want to thank you more because you took time out of your schedules and also around the festive season to be with us. Of course, it goes without saying that
CODESRIA has a tradition of having the exiting president of the council giving the Claude Aker presidential lecture. And I'm happy that this year we are going to have this lecture by Professor George Chikata, the outgoing president of CODESRIA. Finally, let me thank the government of the Republic of Senegal most sincerely for the support they always give CODESRIA. Before I assumed the leadership of CODESRIA roughly 1.5 years ago, I always took it for granted that the headquarters of the council was based in Dakar, and that was it. Since then, the reasons why locating ourselves in Dakar, Senegal, has become even more clear to me. The government of the Republic of Senegal, and indeed the people of Senegal, have come through for CODESRIA in ways that would never be possible in a whole number of places outside this country. This assembly would obviously not be easy to convene without this support. And we in the Secretariat, and indeed in the wider community, cannot and will not afford to take that for granted. And so I want to pay a special word of thanks to the President of the Republic of Senegal and ask the Minister for Higher Education, Research and Innovation to convey the gratitude of the over 300 participants in the CODESRIA General Assembly, 15th CODESRIA General Assembly, to His Excellency, because there is no other way we can indicate this gratitude other than being very clear that it's a privilege, indeed an honor, to be located in Dakar, Senegal. A few years ago, the government of the Republic of Senegal decided to start a major investment in the Knowledge City, which is located very close to the airport in Jamniado. And in the process of deciding who was going to be allocated space in the Knowledge City, His Excellency Professor Maritonian took the decision that CODESRIA ought to be in that city. And we are at an advanced stage of finalizing discussions around our space, Mr. Honorable Minister, if you allow me, our space in Jamniado. We look forward to finalizing this process. We look forward to undertaking the task of constructing a CODESRIA headquarters in the Knowledge City in Jamniado. And for this, I would also like to thank you, thank the government of Senegal, and thank the people of Senegal for agreeing that indeed there is space in Dakar for a Pan-African knowledge producing institution in the social sciences. Thank you very much for listening to me, and welcome to the General Assembly. Good morning once again, colleagues. Thank you very much, Godwin. Godwin Murunga comes to CODESRIA from the University of Nairobi, where he used to teach history. Our next speaker comes to us from the University of Ghana, Legon, where she is the director of the Institute of African Studies, Professor George Chikata, who is research professor of development sociology, was formerly based at the Institute for Social and Economic Research at Legon. She holds an LLB, an MA, and a PhD. An LLB from the University of Ghana, an MA from in Development Studies from the Institute for Social Studies, and a PhD from Leiden University in the Netherlands. She has been the president of CODESRIA since 2015, when she was elected as president at the General Assembly here in Dakar. Thank you very much, Professor George Chikata, for your welcoming remarks.
Thank you very much. His Excellency Thabo Mbeki, former President of South Africa, His Excellency Professor Marie Chu Nyang, Minister of Higher Education, Research and Innovation of the Republic of Senegal, Her Excellency Professor Nuria Benga-Britt Remaoun, Minister of National Education of the Republic of Algeria, Ambassadors of African countries here present, Vice Chancellors of African universities here present, Ms. Toko Didiza, Member of Parliament of the Republic of South Africa, former presidents of CODESRIA, including my immediate predecessor, Fatima Harak, former executive secretaries of CODESRIA, including the immediate past executive secretary, Dr. Ebrima Sal, members of the CODESRIA Executive Committee, the Executive Secretary, Dr. Godwin Murunga, and staff members of CODESRIA, members of CODESRIA, members of the African Social Sciences and Humanities Community, members of other social science and humanities communities, CODESRIA partners, supporters, and friends, colleagues, ladies and gentlemen. On behalf of the Executive Committee of CODESRIA, I wish to warmly welcome each and every one of you to the 15th General Assembly here in Dakar, CODESRIA's home. CODESRIA is highly indebted to the government and people of Senegal for decades of material and moral support and for their commitment to the success of this particular General Assembly. I especially want to thank His Excellency Professor Marie Chu Nyang for representing the President H.E. Macky Sall and for being here with us today. We could not have asked for a better representative. Prof. Nyang definitely is one of our own who has proved by his actions his deep understanding of what is required to ensure the success and sustainability of an institution such as ours. Senegal has proved to be an inspired choice as a home for our council. We have enjoyed 45 years of organizational autonomy, freedom of action, and unstinting support in ways too numerous to enumerate. CODESRIA has been fortunate to grow up in this most elegant and vibrant of cities. Our physical proximity to UCAD and the commitment of many at UCAD has been indispensable to our work. Our recent collaborative activity with the University of Thiès is the beginning of an approach that will expand our relationships with Senegalese higher education. We are excited that our home city is home to the new Museum of Black Civilization. We deem it very important in the promotion of heritage studies, and we hope that it will generate the discussion and scholarly productions that will realize its purpose. We look to a future of a relationship with Senegal with confidence and hope that other African governments will take inspiration from this example and find ways of supporting this project. To our donors, sponsors, and friends who have provided material support for our programs and for this General Assembly, we fully acknowledge your critical role in our ability to deliver on our mandates. We are grateful for your recognition of the imperative of Africa's leading role in knowledge production about Africa in order to reverse the entrenched hierarchies of knowledge production. We want to mention SIDA of Sweden for being there from the start and from staying the course, and the Carnegie Corporation for long-standing support. We are also grateful to several others who supported us over the years, and to those who have begun to support us very recently, and to others with whom we have begun conversations about future support. Our General Assembly's importance lies in the fact that it is the largest and most diverse gathering of Africa's social sciences and humanities communities that provides a unique space for reflection and renewal. Intellectual reflections on topical issues and the renewal of our organization, while deciding its scientific and organizational priorities over the next 3 years. CODESRIA's General Assemblies have been over the years
a platform for critical discussions on socioeconomic, political, and cultural trends affecting Africa's development, as well as a state of knowledge production within the humanities and social sciences. Beyond the science, the General Assembly is the highest decision-making body of CODESRIA. It meets triennially and combines a scientific conference on a selected theme with a business meeting of CODESRIA's membership. An important task of the business meeting, which enables the executive committee to account for its stewardship of the council and for members to deliberate on the future directions of CODESRIA, is the election of a new executive committee and vice president and president of CODESRIA. This new executive committee will then steer the affairs of CODESRIA until the next General Assembly, when the cycle is repeated. This General Assembly follows this format, and we trust that you will join us to deliberate on our stewardship and leave the incoming CODESRIA leadership with a clear mandate to take the work of the Council forward. CODESRIA has in the last 3 years undergone major transitions. The Council has a new Executive Secretary following the end of Dr. Ibrahima Sall's term. Although a long-standing and committed member of CODESRIA, this is Dr. Godwin Murunge's first General Assembly as Executive Secretary. This appointment and other recruitments, as well as a new strategic plan and a five-year program that is entering its third year, have repositioned and rejuvenated the Council for implementing its core mandate to nurture successive generations of scholars and enlarge knowledge production in the social sciences and humanities in Africa. The implementation of the roadmap for organizational reform that came out of the management, scientific, and governance reviews undertaken by the Council between 2012 and 2014 is on course. All of these changes, we believe, have set CODESRIA on a path to render more effective and sustainable service to its scientific community. For this General Assembly, as you've already heard, the Executive Committee chose the theme of Africa and the crisis of globalization. We thought it entirely appropriate, among other things, to revisit the question of globalization at this conjuncture, when neoliberal globalization is experiencing a perfect storm, a combined global financial, food, and energy crisis from which no country has been able to recover fully as a result of the entrenchment of austerity policies. In Europe, the existential crisis of the European project can be seen in the economic, social, and political turmoil, disaffected and restive populations, rising ultra-nationalism and right-wing populism, a wave of anti-immigration and immigrant sentiments, and uncertainties in the wake of the Brexit vote in the United Kingdom. In the US, the last elections have brought into prominence forces that are tearing up the free trade rulebook and pushing aggressive agendas of national economic self-interest, which are raising the prospects of long-term global trade wars with ramifications beyond the economic sphere. The rise of China as an economic power and its growing influence on the world stage and in Africa is an important development that has implications for the future of the global order. Africa's location in this order as a key source of raw materials and arable land and water, but also of unwanted migrants, and the continent's own drive to industrialization and structural transformation under Agenda 2063 require us to undertake a wide-ranging and rigorous inquiry into how Africa and Africans are experiencing and responding to this conjuncture, and how it is shaping Africa's political economy and what it will mean for Africa's future. We have been fortunate in the tremendous response to our call for papers for this General Assembly. It affirms for us the importance of the theme we've selected. It is our hope that you will participate actively in the sessions and join in debates that enable presenters to reflect on how to strengthen their analysis of these important questions. The papers, panels, plenaries, and keynote papers we have assembled offer rich insights into a wide range of issues, including the itineraries and iterations of globalization, Africa's experiences of globalization in relation to the ideals of Pan-Africanism and African regional integration, the shape and fortunes of the nation state under globalization, and the implications of globalization for knowledge production, for economies, for political and policy processes, religious and ecological matters, among others. I want to congratulate you whose papers were selected
for prevailing in this very competitive process. I want to offer special thanks to our keynote speakers who are headlining the scientific conference. H.E. Thabo Mbeki, who's delivering the Chekanta Diop Lecture, Professor Usman Khan, who's delivering the Miriam Makeba Lecture, Professor Wole Soyinka, who delivers the Leopold Seda Senghor Lecture, and the amazingly talented Yvonne Adiambo Owo, who delivers the EndNote Lecture that sends us on our way. We are truly grateful to these prominent and accomplished members of our community for graciously accepting to come and share their ideas with us to aid our reflections in this very special space. We look forward to an exciting, intellectually enriching and rejuvenating 15th General Assembly. Our executive committee and the secretariat will do their utmost to make this happen, and we trust that you will do the same. As the executive secretary has already mentioned, in the last 3 years, our community has lost several key members. The untimely departures have left us and humanity the poorer, and the council without their invaluable and generous service. The list is long, but please allow me to single out particularly those who were with us at the last General Assembly. I want to mention Professor Samoyo, Professor Abubakar Momo, Professor Aminata Jao, Professor Abdul Rauf Mustafa, and last but not least, Professor Sami Amin. Please join me to observe 1 minute of silence in their memory. Please stand. May our colleagues rest from their labors, and I believe they are here within our hearts. The Executive Committee of CODESRIA wishes you a memorable 15th General Assembly. Thank you very much. Thank you very much, Professor George Chikata, for the welcoming remarks. Our next speaker is Professor Nuria Bengabrit Remaon. Since 2014, she has served as the Minister of National Education of the People's Democratic Republic of Algeria. She holds a doctorate degree from the University of Sorbonne in Paris. She has taught for over 20 years at the University of Oran. She headed a center for research in social and cultural anthropology. She has also been active in the policy world, where she has held various positions in many international organizations, including UNESCO. She has also been an active member of CODESRIA and was a member of the executive committee of CODESRIA. You are welcome. Excellences, Monsieur le Président Thabo Mbeki, ancien président d'Afrique du Sud, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de la République du Sénégal, Madame la Présidente du CODESRIA, Monsieur le Secrétaire exécutif du Conseil, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, chers collègues et amis, bonjour, sbah al-khair, az-zulf laoun. C'est pour moi un immense plaisir que de me retrouver avec vous dans cette institution panafricaine créée en 1973 pour être un espace d'expression libre d'Africains sur l'Afrique
à partir et en dehors de l'Afrique. Depuis sa création par une équipe d'universitaires, dont Samir Amin, cet éminent chercheur que nous avons malheureusement perdu en août dernier, en cette année 2018, le CODESRIA est l'institution panafricaine la plus importante en sciences sociales en Afrique, de par son ancienneté et son agenda de recherche très ambitieux. C'est pour moi donc un privilège que de prendre la parole pour aborder un sujet qui est au cœur des préoccupations et qui agite fortement nos sociétés, à savoir l'Afrique et la crise de la globalisation, enjeux et alternatives possibles. La mondialisation est souvent accusée d'être génératrice d'inégalités au niveau international, c'est-à-dire entre pays riches et pays pauvres, dans la mesure où le système commercial et le processus de mondialisation empêchent certains pays africains de s'intégrer dans l'économie internationale et contribuent à aggraver l'inégalité des revenus dans le monde, comme aussi elle peut être une opportunité d'ouverture vers plus de savoir et de connaissances. Même si nombre d'accusations portées à l'encontre de la mondialisation peuvent être contestées, il ne fait guère de doute que des effets pervers de ce phénomène affectent nombre de pays, notamment ceux du continent africain. L'antagonisme entre la mondialisation généralisée et une demande accrue de souveraineté des États a entraîné une véritable crise de la gouvernance mondiale. Et l'État-nation continuera à être un acteur essentiel du futur système mondial en cours de construction, même s'il est appelé à une profonde évolution. Nos pays sont tenus de gérer leur nécessaire intégration dans l'espace mondial imposé afin de mieux la maîtriser et de minimiser les dommages collatéraux et les coûts d'un tel processus. Et à ce sujet, il y a lieu d'abord de réparer à ce que nous pensons être une injustice historique faite à l'Afrique en termes de non-représentation du continent dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et sa sous-représentation dans la catégorie des membres non permanents aussi. Nous plaidons avec l'Union africaine pour une réforme de l'Organisation des Nations Unies. Cela requiert de notre part un surcroît d'efforts qui puisse converger vers l'objectif visant à faire de notre continent un acteur plus influent sur la scène internationale. Nous pouvons disserter longuement sur les enjeux qu'impose la mondialisation à nos pays, mais je me limiterai dans cette brève intervention à certains phénomènes sociaux qui nous interpellent aujourd'hui avec acuité. D'abord, les flux migratoires vers l'Eldorado européen de milliers de jeunes Africains au péril de leur vie. La presque totalité de ceux qui arrivent dans les pays occidentaux déchantent rapidement. Mais aussi l'invasion numérique dont certains contenus endoctrinent nombre de nos jeunes déchantés. Face à ces deux phénomènes auxquels l'Algérie, comme la plupart des pays africains, n'est pas totalement prémunie, il convient de fonder un nouvel élan sur un nouveau socle de valeurs et d'actions. Il s'agit de mettre notre patrimoine millénaire, au sens le plus large du terme, au cœur du changement et au cœur de l'insertion dans le monde. Et les récentes découvertes archéologiques en Algérie, dans le site Ain Bouchrit, dans la localité de Ain El Hnech, à Sétif, à l'est d'Alger, démontrent une fois de plus que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité. L'enjeu pour nous aujourd'hui est cependant de trouver la réponse, voire les réponses, à une question précise et actuelle. Comment remettre les sociétés africaines au cœur de la modernité sans qu'elles y perdent leurs âmes? Nous pensons sincèrement que c'est notamment grâce à l'école que cela peut s'accomplir. Par d'abord la valorisation de notre africanité, rendre les jeunes Africains fiers de leur singularité, de leur créativité et surtout de leur legs historique, en un mot, les mettre en valeur chez eux. La capacité à changer est devenue une valeur déterminante pour la survie de toute société. Il s'agit de créer de nouveaux repères forts et fondamentaux dans la jeunesse et dans la société. L'apprentissage de l'esprit critique, de l'éducation à l'innovation et de la créativité doit être au cœur du processus éducatif. Désormais, les progrès ne sont plus liés à la seule science et à la seule technicité, mais plutôt à l'usage qu'on en a fait et à nos capacités organisationnelles. Ensuite, l'éducation à l'interculturalité et au vivre ensemble doit devenir, au sein des systèmes éducatifs africains, des disciplines destinées à assurer une nouvelle communication avec l'autre et qui passe par l'ouverture sur les langues,
comme l'initiative algérienne du 16 mai, entendue comme journée mondiale du vivre ensemble en paix, et enfin l'investissement dans la recherche. Dans cette communauté internationale, nous avons à bâtir les conditions d'une gouvernance démocratique et efficace qui permette à la fois d'assumer notre unité et de respecter notre diversité. Même s'il est connu de tous que le continent africain a hérité d'un legs historique lourd et d'un passé colonial désastreux et fait face actuellement à d'immenses défis, dont une croissance démographique galopante, nous avons la conviction qu'elle sera, dans un avenir proche, très attrayante pour tous ceux qui s'intéressent à son devenir. C'est d'ailleurs cette conviction qui a amené l'Algérie, mon pays, dans le cadre de l'entraide et de la solidarité africaine, a procédé depuis 2010 à l'annulation des dettes d'un montant global supérieur à 902 millions de dollars qu'il détenait sur 14 pays membres de l'Union africaine, comme elle accueille chaque année des milliers d'étudiants africains. L'Afrique a besoin de croire en elle et de favoriser l'apparition de nouveaux espaces d'excellence régionaux de formation à construire ensemble. L'Afrique a besoin d'un projet à la mesure des exigences du XXIe siècle fondé sur la promotion d'une société de confiance, une société de valorisation des ressources humaines et la promotion de l'esprit d'innovation et de création. Que cette Assemblée générale du CODESRIA, qui a placé au cœur de ses débats une pareille problématique, puisse constituer un jalon important dans la voie de cette émergence de l'Afrique et des Africains, précurseurs d'un monde bâti sur de nouvelles relations entre les sociétés humaines. En vous remerciant encore une fois tous pour cette invitation dont je me sens honorée, je souhaite plein succès pour ces travaux et pour le devenir du CODESRIA. Merci. Merci beaucoup, professeur Benga-Britt. While sitting down there, one of you who happens to be my friend sent me a WhatsApp message telling me to calm down, that I'm messing up the opening ceremony of the 15th CODESRIA General Assembly. And I responded to the person by saying that it's not easy to calm down. We have a president in the house, we have ministers, we have professors whose works I read as an undergraduate and then again as a graduate student that I never dreamt of meeting. And now I'm on the podium here speaking to them. I already said that emceeing an occasion like this is like only like two other things that happen in life. There is my birth, which is already history. All I can say is that I hope my death will be more graceful than my emceeing the opening ceremony of General Assembly is. With that said in mind, and in the interest of calming my nerves, I wanted to invite Mr. Usman Fall, who is our resident musician, to offer us a musical interlude before I introduce the next speaker. Thank you.
Merci beaucoup, Monsieur Fall. I think it's obvious that he will have been a better MC. Another round of applause for him. We are speaking about globalization and encounters. I like his instrument. The kora is an ancient instrument from the Sahelian region of West Africa that has for 100 years been used to chronicle the histories of the greatest people from this part of the world, the empires of Mali and Songhai and Ghana. And if you look at it, the keys are very modern. The old kora uses animal skin as strings, and they are tied around a stick. And so this is a good example of encounter, and it challenges us to think about what we mean by change and what we mean by persistence. Thank you very much, Mr. Fan. Merci beaucoup. Our next speaker is the Minister of Higher Education, Research and Innovation of the Republic of Senegal. Professor Marie Thionyang is a professor of mathematics who used to be the vice chancellor of Université Gaston Berger in Saint-Louis in Senegal. He holds degrees from the University Cheikh Anta Diop in Dakar and the Université de Nice. Merci beaucoup. Son Excellence. Excellence, Président Thabo Mbeki, Excellence, Professeur Nouria Ben-Gabri de Remaoun, ministre de l'Éducation nationale de la République démocratique d'Algérie, Excellences, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs et chefs de différentes missions diplomatiques au Sénégal, Professeur Zosi Sikata, présidente du CODESRIA, Docteur Godwin Murunga, secrétaire exécutif du CODESRIA, Docteur Ibrahim Sall, ancien directeur exécutif du CODESRIA, Professeur Momodou Diouf, président du comité scientifique, honorables invités en vos titres, grades et qualités, chers collègues enseignants-chercheurs, mesdames, messieurs. Il m'est particulièrement agréable de présider au nom de Son Excellence le président de la République Macky Sall et du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Diagne la cérémonie d'ouverture de la 15e Assemblée générale du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Je souhaite la bienvenue au président Thabo Mbeki, à Madame le ministre de l'Éducation nationale d'Algérie, aux participantes et aux participants. Je suis d'autant plus heureux d'être parmi vous ce matin que je retrouve des amis et des collègues dont l'engagement pour la structuration d'une recherche en sciences sociales en Afrique, la mise en place de programmes et projets de recherche, ainsi que le soutien à la création de communautés et groupes de recherche nous vaut en ce moment l'élaboration d'un point de vue africain sur les grandes questions
que soulèvent les transformations économiques et sociales en Afrique. En réalité, prendre part aux activités du CODESRIA est aussi une obligation de mon département. C'est le soutien que nous devons apporter aux initiatives de cette nature pour les amplifier en leur donnant l'éclat et la notoriété qu'elles méritent. Madame, Messieurs, honorables invités, avec le CODESRIA, le Sénégal a des rapports constants. Lorsque le premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, a pris la décision d'accueillir, d'héberger et d'offrir au CODESRIA un statut diplomatique spécial, il a posé les jalons d'une relation qui a résisté au temps et que des générations de femmes et d'hommes perpétuent. Il est heureux que les autorités publiques et politiques qui se sont succédées à la tête de notre pays aient cette constance. L'ouverture de cette Assemblée générale au nom de Son Excellence, le Président de la République Macky Sall, nous offre une nouvelle opportunité de réaffirmer en tant que gouvernement et en tant que pays auprès de la communauté d'universitaires et de chercheurs africains travaillant dans le domaine des sciences sociales et humaines notre option de faire de la science, de la recherche et de la formation des leviers essentiels du développement. Une telle volonté politique est expressément soutenue dans le cadre de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Elle est rappelée également dans les 11 décisions du Conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur du 14 août 2013. Vos préoccupations sont les nôtres. Nous apprécions ce que vous accomplissez et nous les comprenons comme un élément fondamental du projet consistant à hisser le Sénégal et l'Afrique au niveau des standards internationaux en matière de recherche en sciences sociales. Mesdames, Messieurs, Son Excellence le Président Macky Sall a conçu et développé et mis en œuvre un programme ambitieux qui va permettre de réaliser, à travers la transformation structurelle de l'économie, une croissance forte, inclusive et durable pour le bien-être des populations. L'ambition affirmée est de faire du Sénégal un pays émergent en 2035, nous pensons bien avant, dans le cadre d'une société solidaire dans un état de droit. Durant la première phase du programme, le plan Sénégal émergent a, sur la période 2014-2018, impulsé une nouvelle dynamique de croissance économique et contribué à la consolidation du cadre macroéconomique. La seconde phase, 2019-2023, qui nous vaut l'absence du président de la République, puisque aujourd'hui il est au comité consultatif à Paris, sera mise en profit pour identifier les principales contraintes à la croissance soutenue et au développement inclusif, notamment celles soutenues, celles qui contrarient le processus de transformation économique souhaité, entravent ou ralentissent la croissance ou réduisent l'efficacité des mécanismes d'inclusion sociale. Le choix de développement fait par le Sénégal est un choix de développement civilisé, c'est-à-dire celui qui promeut le développement durable, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance. Il s'agit d'un mode de développement coûteux, difficile et inédit. Mais c'est le seul moyen de bâtir une société avec une forte culture scientifique et technologique. Mais c'est le prix à payer pour que la seule voie de développement laissée à l'Afrique ne soit pas une voie sans issue, un exutoire pour un soi-disant refus de développement de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, la démographie de l'Afrique ne laisse pas d'autres possibilités au continent que le choix de la formation technique, scientifique et professionnelle de sa jeunesse. La mobilité d'une jeunesse africaine, technicienne et scientifique,
sera un atout pour le développement de l'Afrique. Nous devons, par l'éducation et la formation, préparer les jeunes pour recevoir et faire avancer la science. La maîtrise de la connaissance et de la compétence est non seulement un facteur essentiel dans l'insertion dans l'économie de la connaissance, dans la constitution d'une image positive de l'Afrique, et par-dessus tout, elle est indispensable pour la constitution d'un point de vue africain basé sur les intérêts du continent et la perception que l'Afrique a de son avenir, en particulier de ses relations avec le reste du monde. Les initiatives prises par le CODESRIA pour combler le gap de connaissances entre les pays développés et les pays en développement sont importantes. Je suis comme vous, convaincu que les Africains doivent, à partir de leur point de vue, de leurs intérêts, proposer de nouvelles définitions d'un certain nombre d'indicateurs à partir desquels les pays sont classés. Et surtout, je suis convaincu, comme vous, que notre engagement politique pour une maîtrise de la connaissance par le plus grand nombre est le gage du développement accéléré. Votre plaidoyer pour la prise en charge du secteur éducatif dans les investissements économiques, votre lutte contre la fracture numérique sont autant de signes qui indiquent que notre réflexion commune ne se limite pas seulement à manipuler des idées porteuses, mais réellement à la capacité de construire la cité, la capacité de mobiliser la science et la technologie, les savoirs pour convaincre et gagner la participation des partenaires financiers, des entreprises nationales et étrangères, des forces vives de nos sociétés pour impulser le développement du continent dont les retombées seront partagées. Nos universités se réjouissent de cette conférence. Les universitaires et chercheurs africains trouveront là un nouvel élan et un nouvel espace de facilitation de leur ouverture à l'Afrique et au monde dans l'appropriation, la création et le transfert des connaissances pour renforcer l'innovation et insérer l'Afrique dans l'économie de la connaissance. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'Afrique a reconnu l'importance de la recherche et de la science pour son développement économique, social et culturel depuis le plan d'action de Lagos adopté par l'Organisation de l'Unité africaine en 1980. Déjà lors de son premier discours, prononcé lors du sommet de la fondation de l'OUA le 24 mai 1963, le président Kwame Nkrumah disait, je cite, « La science et la technologie possèdent la capacité de permettre de transformer le désert du Sahara en un vaste champ verdoyant de végétation pour notre développement agricole et industriel. » Fin de citation. Le premier document de politique continentale en science fut le plan d'action consolidé 2008-2013, adopté en 2008. Aujourd'hui encore, la stratégie de développement de l'Union africaine reste plus que jamais liée à la science. L'adoption de la stratégie 2024 pour la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique, STISA 2024, suite au plan consolidé d'action, vient confirmer la place de la science. Cette stratégie vise à répondre aux besoins de transformation de l'Afrique en une société basée sur la connaissance et impulsée par l'innovation. Ces initiatives continentales, accompagnées par les politiques régionales, comme par exemple la politique de la CEDEAO, en sciences, technologies et innovation, dont l'évaluation du plan d'action vient de se tenir au Bénin, doivent avoir des déclinaisons au niveau national pour leur mise en œuvre. Au Sénégal, des options fortes ont été prises par Son Excellence le Président Macky Sall
à travers les décisions présidentielles sur l'enseignement supérieur et la recherche prises le 14 août 2013 et dont la mise en œuvre est évaluée annuellement. Cette mise en œuvre se traduit d'abord par une nouvelle carte universitaire pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur. Concernant le financement de la recherche, plusieurs instruments ont été mis en place, notamment le projet d'appui à la promotion des enseignantes chercheurs du Sénégal, PAPES, exclusivement dédié aux femmes qui sont enseignantes chercheurs dans nos universités et aux doctorantes, qui a permis à ce jour de financer plus de 100 projets d'enseignantes chercheurs et de doctorantes pour leur permettre de s'inscrire au CAMES et au concours d'agrégation ou de finaliser leur doctorat. Les dépenses intérieures brutes en recherche et développement en pourcentage du PIB sont passées de 0,5% en 2010 à 0,8% en 2015, plaçant notre pays avec l'Afrique du Sud en tête des pays africains. Pour les ressources humaines, le Sénégal est à 957 chercheurs pour 1 million d'habitants en 2015, avec 29,3% de femmes. L'équipement des laboratoires est pris en charge par divers projets, dont la Cité du Savoir, en cours de construction dans la nouvelle ville de Diamniadio, à 30 km de Dakar, sur une superficie de 14 hectares. Cette cité va accueillir des laboratoires mutualisés et des équipements lourds de recherche en microscopie électronique, en biotechnologie, un réacteur nucléaire de recherche, un supercalculateur d'un pétaflop de puissance de calcul, etc. Il est créé un institut des sciences et technologies avancées, ISTA, qui formera dès la rentrée universitaire 2019-2020 en licence, master et doctorat en robotique, intelligence artificielle, big data, modélisation, simulation numérique et calcul scientifique, génétique moléculaire, cybersécurité, nanotechnologie, physique nucléaire et applications, etc. La Cité du Savoir accueille également des infrastructures de promotion de la culture scientifique avec la Maison de la Science, incluant un aquarium géant, un planétarium, un arboretum, des espaces de démonstration et une médiathèque. Par ailleurs, grâce au financement de l'État, les universités ont un accès gratuit à des bases de données scientifiques internationales comme Sciences Directes et Scopus pour les sciences exactes et naturelles, les revues Masson pour les sciences médicales, Kern Info pour les sciences sociales et humaines. Avec plus de 100 000 consultations en 2 ans, la valorisation et la vulgarisation des résultats de la recherche se font dans les centres de recherche et d'essai qui sont aujourd'hui dans la moitié des régions du Sénégal. Toutes ces réalisations marquent l'importance que les autorités sénégalaises accordent à la recherche, la science, la technologie et l'innovation. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous considérons que les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche, sont particulièrement vitaux pour ce que nous souhaitons faire, même si nous restons absolument attachés à l'amélioration de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire. Les établissements d'enseignement supérieur forment les enseignants dont nous avons tant besoin pour améliorer l'enseignement préscolaire, de base et du secondaire. L'enseignement supérieur et la recherche fournissent les compétences nécessaires aux nouvelles économies du savoir et alimentent l'innovation essentielle à l'industrialisation. Ils produisent des connaissances qui nous aident à comprendre les paysages de la politique et à effectuer des choix politiques. C'est toutes ces raisons que nous investissons de plus en plus dans de nouveaux établissements d'enseignement supérieur,
tout en travaillant à résoudre les importants problèmes que rencontrent ceux qui existent. Excusez-moi. La création de la Cité du Savoir dans la nouvelle ville de Diamniadio témoigne de notre engagement de faire du Sénégal une plaque tournante de la recherche de pointe, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. L'octroi par le Sénégal d'un site à Kodesria dans la Cité du Savoir et les progrès enregistrés dans l'officialisation de ce processus confirme la place de partenaire privilégié que nous accordons à votre conseil. Nous espérons voir le Kodesria à bientôt intégrer la Cité du Savoir en y transférant son siège. Une assiette foncière est déjà disponible à cet effet et nous avons déjà reçu le projet architectural proposé par votre institution. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au professeur Feu Aminata Diaw Cissé qui suivait ce projet pour le compte de votre institution. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu l'invitation de présider la cérémonie de la 15e Assemblée générale, qui est à la fois l'événement scientifique et administratif le plus important du Kodesria. Le gouvernement du Sénégal accorde une grande importance au soutien apporté au Kodesria, qui va bien au-delà de l'accueil de votre organisation. Votre présence ici témoigne de la profonde aspiration du peuple sénégalais à l'ouverture qui est souvent évoquée dans nos références à notre pays, le pays de la Teranga. Notre pays a toujours été au carrefour des personnes et de courants se déplaçant entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Offrir à des intellectuels qui n'en ont pas toujours eu un lieu sûr pour penser, réfléchir, parler et proposer des alternatives de vision de notre continent de manière qui diverge des récits dominants mondiaux était en effet une réaction naturelle de notre premier président, le président Léopold Sédar Senghor. Sa très sage décision est une décision que nous réaffirmons une nouvelle fois ici aujourd'hui. Nous sommes fiers de notre relation avec le Kodesria. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir sans cesse fait venir dans notre pays les plus brillants esprits du continent pour diverses activités. Nous vous remercions d'avoir placé à portée des étudiantes, des étudiants et universitaires du Sénégal les meilleurs des spécialistes et ressources en sciences sociales et humaines que le continent peut offrir. Pour nous, cette relation honore la longue histoire de l'intellectualisme au Sénégal qui a produit des intellectuels, des érudits et des écrivains de renommée mondiale. De Mariama Ba à Aminata Sow Fall, de Cheikh Anta Diop à bien d'autres, que certains d'entre eux comme Fatou Sow, Souleymane Bachir Diagne, Mamoudou Diouf aient joué et continuent de jouer un rôle crucial dans la vie du Kodesria en est d'autant plus gratifiant. Excellences, Mesdames, Messieurs, avec ces mots, je vous souhaite 5 jours de discussion fructueuse et déclare ouverte la 15e Assemblée générale du Kodesria. Merci. The minister might deserve another round of applause. Thank you very much. I will now call on the Executive Secretary of Kodesria to present a gift to the Minister of Higher Education. Thank you very much. We thought that
as one way of thanking the minister, we would present a gift after his opening speech, and we were conflicted. If somebody can afford to give you land for your headquarters, what can you give in return? And we assumed that there isn't too much we can give other than something that indicates the value we associate with their presence in our midst. So we have a small gift for the minister. You will excuse us because it's one way of branding ourselves in your ministry. And we apologize for that, but we know that you will allow us a presence in your ministry. So I'll ask the president of CODESRIA to present the gift to the minister. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Thank you very much, Professor George Chikata. I think after listening to the choral, we all feel inspired. I certainly feel very inspired now. Inspired to the extent where I can tell you that my name is Atsuo Onuma and I work in the research program at CODESRIA. Thank you. We are running very, very well with time. We have a break now. It's in the room to our right. So I'll invite you to have a break. Before that, I wanted to invite the following colleagues to have a brief meeting with us here. Mshai Mongola, Therese Azeng, Jacques Chibwabwa, Ramola Ramtoul, and Delmas Tafak. Thank you very, very much for participating in the opening ceremony of the 15th General Assembly of CODESRIA.